Bienvenue dans cette relecture de des slides que j'avais fait dans le passé sur la réalité virtuelle pour une Game Gems, un hackathon que j'avais appelé le No Code Gem. L'idée ici c'est de parler un peu de la réalité virtuelle, de tous ces secteurs. On a la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la la Admini, on a plein de, de sujets. Et donc allons voir un peu ça. Pour rappel, si vous n'êtes pas dans le milieu, la réalité virtuelle c'est ceci c'est la capacité de pouvoir voir un monde qui est autre que le vôtre, où vous êtes immergé dedans, vous allez pouvoir dire bonjour à ce petit robot, lui donner des objets, parler avec lui, vous êtes immergé dans un monde qui n'existe pas. C'est trop génial ce truc. Contrairement à la réalité augmentée, où là on va avoir un monde qui va nous plonger dans la réalité où on est. On a toujours un accès à notre vue, on a toujours un accès au mur, on a toujours accès à notre monde. Et à partir du moment où on peut euh, voir quelque chose par-dessus, c'est une réalité qui est augmentée. Si jamais elle avait été euh, interactive, c'est-à-dire que je peux toucher le bord là-bas ou que je peux toucher l'environnement, à ce moment-là, on parle plus de réalité mixte. Et étant donné que la réalité mixte, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, c'est trois termes différents, on a l'habitude de les regrouper sous un terme, la réalité XR. C'est pour ça que vous allez voir que mes cours terminent souvent par XR et non plus VR. Évidemment, dans la réalité virtuelle, c'est assez cool de pouvoir prendre des objets 3D et les mettre dedans. Donc du coup, je vous invite vraiment à regarder un petit peu sur ce que c'est la photogrammétrie, où l'idée c'est de scanner des objets 3D, de scanner le monde 3D. Il faut savoir que plus les casques avancent, plus on tend vers ça, d'avoir de la photogrammétrie automatique dans les casques, c'est pas encore... Une technologie qui est si automatique que ça, on la voit un peu chez Meta euh, dans les Quest 3 de notre époque. Euh, mais euh, c'est quelque chose de très 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 utile. Par exemple, ici, si vous voulez faire visiter une maison, une vieille maison, prenez votre téléphone, vous faites plein de photos, et grâce à cet ensemble de photos, vous allez pouvoir exporter ça dans le casque. Ça demande un petit peu de travail, de nettoyage, d'expertise, mais vous pouvez visiter d'autres bâtiments. Ou non pas en photo, mais juste être dans le bâtiment. C'est vraiment un sujet qui est très intéressant, que j'avais exploré à l'époque avec la Z Mini. C'est une petite caméra qui va vous permettre d'aller sur le PC, de prendre des vidéos qui sont stéréoscopiques, mais surtout de générer des mèches 3D, des vues, des objets 3D et de pouvoir les réapporter dans Unity ou dans votre éditeur de jeu pour pouvoir faire ce genre de, de visite. Il y a des sites spécialisés comme SketchUp euh, euh, où simplement vous allez pouvoir en fait. Prendre plein de photos, générer un mesh 3D, puis le visiter, le, le bâtiment. Ou simplement, hein, vous faites un bâtiment en 3D et vous le visitez en VR. Il faut savoir que SketchUp, qui est une, un éditeur 3D de Google, a fait pas mal de logiciels pour pouvoir aller visiter les bâtiments des architectes. Donc vous pouvez simplement, enfin, euh, vous pouvez de manière compliquée, parce qu'il faut installer des applications, comprendre comment ça marche, et rien, rien, aller visiter des bâtiments que vous avez faits euh, avec votre architecte. Une des meilleures applications que j'ai jamais testées euh, sur un des très vieux quests, c'est DMZ. Pour euh, la DMZ en Corée, c'est toute une application comme ça, un peu noir et blanc, où en fait on discute avec une personne qui nous explique ce que c'est euh, la démarcation entre les deux pays, qui nous montre le type de, de bombes qui ont été, de, de mines qui ont été mises sur le champ pour pouvoir euh, vous montrer ce que c'est. Il a un petit peu de 3D où en fait il vous fait vivre un peu ce que c'est d'être sur la ligne de démarcation. Il a des schémas qui vous permettent d'expliquer. Vous voyez que le personnage est derrière ce schéma. Il vous parle avec vous, il vous parle de la zone. C'est très épuré. C'est vraiment une des meilleures applications que j'ai testées dans mes débuts de la VR sur ce que c'est d'éduquer par le fun, sans pour autant être fun, juste musée en fait. Un musée virtuel. Vous allez discuter avec une entité qui va être. Une trace du passé et ça j'avais vraiment adoré la réalité virtuelle c'est aussi les vidéos 360 par exemple ici c'est une vidéo qui va vous permettre d'écouter de la musique donc euh, vous êtes immergé dans une euh, dans un hackathon où on codait les jeux. vous voyez il y a tous les bancs où on pouvait coder et euh, ici un musicien joue de la musique et vous pouvez être chill tout simplement en écoutant et en regardant en étant présent dans cet espace là c'est une puissance qui est vraiment vraiment puissante enfin qui est vraiment agréable alors, à l'époque, ce hackathon avait lieu, euh, cette game ça avait lieu dans les bâtiments de Mulling Geek. Et donc, euh, ce que je proposais, c'était peut-être d'essayer de lier la VR ou la R à des murs. Simplement, par exemple, afficher ici euh, un écran virtuel et faire un jeu sur ça. Ou simplement prendre les grands écrans et afficher un jeu qui, ce, qui a lieu dans, dans l'écran. Ce qui est largement possible. Je vous invite à le faire, c'est super marrant à faire. Il va falloir mesurer, donc je vous invite à avoir des petits trucs pour mesurer, que ce soit pour mesurer petit, que ce soit mesurer grand, ou que ce soit avec votre téléphone de scanner, basiquement. N'oubliez pas les outils de mesure, parce que si vous faites de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle mixte, euh, vous allez devoir prendre les proportions de la pièce. Et bien que le casque le fait, ce n'est pas toujours idéal. Vous avez un truc à configurer quand vous allez arriver sur le casque, si vous ne connaissez pas, qui est le Guardian. Ce Guardian, c'est cette zone-là qui va vous permettre de dire on est en train de jouer ici. Ça, c'est une Guardian qui est stationnaire, c'est-à-dire vous décidez de jouer sur une chaise. Et donc, en gros, si vous sortez de cette zone-là, il va vous prévenir que vous êtes hors de la zone, il va revenir au monde réel. Quand vous voulez jouer dans un bâtiment, vous allez utiliser un Fix Guardian, un Room Scale, un room scale Guardian, Ou basiquement sur l'Oculus ça ressemble à ça, et sur la plupart des autres, c'est un gros carré comme ceci. Qui vous dit bah là vous pouvez jouer, là vous ne pouvez pas jouer. Et si vous sortez de la zone, on va vous rappeler que vous êtes hors de la zone. pour ne pas se prendre les murs. Pour pas se prendre l'environnement tout autour. Il faut savoir qu'en tant que développeur, vous avez accès à ce guardian, ce qui est très pratique, euh, pour pouvoir faire des jeux qui sont calibrés à la pièce de la personne. La zone maximum de Guardian, c'est plus ou moins 7 mètres sur 7 mètres. En réalité, c'est plus 10 mètres sur 10 mètres. Mais pour calibrer une zone de 10 mètres sur 10 mètres, il faut prendre tellement de temps. Et si jamais ça se décalibre, vous êtes dans la, êtes dans la mouise. Euh, que basiquement, j'ai tendance à dire que c'est 7 mètres sur 7 mètres. 7 mètres sur 7 mètres, c'est plus ou moins une, un espace pour jouer au tennis de table. Donc ici, c'est une grande taille, une salle de tennis de, de tennis de table, comme vous pouvez voir. Et euh, ça suffit. Le kendo, ça a l'air d'être chouette. C'est très chouette. Euh, ça vous donne des cloques. Euh, par contre, il faut savoir qu'on oublie qu'en VR, on ne voit pas autour de nous. Bon, ici, on voit autour de nous parce qu'on est en arrière, mais euh, l'application en vert, on ne voit pas autour de nous. Et 7 mètres sur 7 mètres, ça reste petit. Ça reste vraiment, vraiment petit pour faire du kendo, par exemple. À l'époque, je parlais de calibration parce que la Game James ça avait lieu sur le fait de mettre des objets qui embellissent Moring Geek ou qui augmentent Mollengeek. Donc du coup j'avais fait un exemple ici qui est disponible sur Internet. Il euh, faudrait que je retrouve le, le code pour que je, sois, que je le nettoie un peu. Euh, mais l'idée ici c'est que euh, vous aviez un banc et en face fait, je mettais des têtes de, du, du dirigeant de Moring Geek pour pouvoir euh, essayer de lui pitcher votre idée. Donc derrière vous et devant vous vous avez des slides. Vous avez lui qui vous regarde euh, diaboliquement. Et euh, vous devez essayer de lui pitcher une idée. Donc pour pouvoir calibrer... Ce que j'avais fait, c'est juste un petit point ici qui permet de bouger l'ensemble. Et avec avec votre main, vous allez bouger, calibrer. Et une fois que cet objet est bougé, vous allez essayer de retenir la différence entre le Guardian donné par votre casque, donc c'est-à-dire la zone de départ, et euh, ce poids-là vous allez le sauvegarder et vous allez permettre de le recharger dans le but de recharger à ça qu'on retrouve le guardian. C'est tout un sujet à étudier et à apprendre, mais une fois que vous le faites, vous pouvez calibrer les objets selon la pièce. Et donc, voilà, voilà. Le problème, c'est que les guardianes ne sont pas très précis. Ça à 3-4 cm près, des fois à plus, vous pouvez le perdre, c'est facile de, le, de, ne, de, ne pas la, pas, de ne pas le retrouver. Donc, ce que j'avais fait à l'époque, c'est ces petites impressions 3D que vous mettez sur le mur. Et en fait, vous prenez votre manette, vous la déposez ici. Et la hauteur de la manette plus l'objet, donc vous déposez la manette sur le sol, vous déposez là-bas. La hauteur plus sa position permet de savoir dans quelle pièce vous vous trouvez. Et donc du coup, vous pouvez charger l'ensemble du contenu de la pièce basé sur sa hauteur et, euh, et, et, et sa position en fait. C'est très très pratique comme technique. Le problème c'est que c'est pas aussi précis qu'on voudrait. Donc si votre but c'est de faire du centimètre près, à ce moment-là, ce qu'il faut faire c'est en mettre trois. Vous en mettez trois loin les uns des autres. Vous demandez à l'utilisateur de mettre sa manette sur les trois et en fait, ça va trianguler la pièce, vous donnant un ID parfait de la pièce. Donc vous savez où vous, vous trouvez, par exemple, ça c'était la pièce où je travaillais à l'époque. On voit mon bureau, on voit mon lit, on voit le radiateur. La porte. Donc je mettais ma main là-bas, la main là-bas, la main là-bas et ça chargeait la pièce qu'il fallait à l'endroit où il fallait. C'est une technique qui marche très bien. Euh, maintenant, avec les manettes, il y a moyen d'aller chercher à ou deux cm près avec les mains. Euh, c'est plus la dizaine de centimètres près parce que voilà, c'est une main, il faut la replacer correctement et tout. Cherchez pas à être optimisé, quoi. Évidemment, si vous voulez pas chercher à être compliqué, vous pouvez aussi ne pas calibrer simplement euh, mettre l'utilisateur sur une chaise ou une chaise qui tourne et lui permettre de vivre une expérience en réalité virtuelle tout autre. Juste, on visite, on voit, on est patient, ça marche très très bien, ça ne demande pas de calibration. Moins vous avez à coder, plus vite c'est fait, plus vite vous pouvez euh, faire tester à, à vos utilisateurs, c'est très très agréable. Une autre technique quand vous voulez faire de la réalité augmentée sans devoir calibrer, c'est de faire du make it pop, comme je l'appelle ça. C'est juste, vous faites une application qui va pop apparaître devant vous et qui ne demande pas de calibration dans la pièce. Par exemple, ici, c'est une sphère qui apparaît où on peut jouer avec de l'énergie, on peut jouer avec des petits bonhommes et tout. Il y a plein de techniques qui permettent de faire un jeu qui ne demandera pas beaucoup de technicité. C'est juste un bête, une bête sphère qui apparaît. Ça peut être un jeu qui se joue sur une table où tout ce que vous avez à faire pour évoquer le jeu, c'est de mettre votre main sur la table. Et donc, du coup, la calibration est minimum. C'est juste. Vous mettez votre main sur la main, la table, ça charge le jeu parce que la main bouge plus et euh, le jeu commence. Donc il y a moyen de faire des calibrations beaucoup moins dures et beaucoup plus euh, compatibles pour d'autres casques parce que basiquement si vous faites un jeu avec vos mains, euh, vous allez faire un jeu qui tourne sur tous les casques avec des mains. Et si vous le faites avec le bout des doigts, c'est standardisé. Vous avez un casque, des doigts, c'est tout. N'importe quel casque avec des doigts peut faire tourner votre jeu. Pour autant vous donnez le... vous faites le code en assez open, assez, assez standardisé on va dire. Donc c'est un bel avantage. Vous pouvez aussi explorer un truc que j'ai jamais exploré mais à l'époque du hackathon, j'en parlais parce que je trouvais ça intéressant. C'est de faire un jeu euh, en VR pour VRChat parce que c'est toujours une communauté de fous et si vous voulez faire un jeu qui soit en soi un peu multijoueur ou c'est pas une interaction multijoueur mais vous pouvez rencontrer les gens, visiter un bâtiment partager ce que vous avez fait VRChat est très très bien de... dans ce domaine là maintenant ouais. le défaut de VRChat c'est qu'il n'a pas fort évolué parce qu'il faut rester standard et il ne faut pas trop bouger pour que tout, tout fonctionne et rien ne... ne casse donc dans mes souvenirs euh, VRChat est toujours dans l'ancien système de rendu graphique de Unity et dans, dans certains anciens systèmes donc en gros c'est un domaine très, très spécifique où il y a des gens qui s'éclatent comme des typhous, C'est trop génial. Mais ça demande un gros investissement. Et cet investissement est, est gagné par le fait que vous allez vous amuser avec une communauté qui est très active et très euh, mondialement connue. Croisé, on en croise plus souvent qu'on pense dans la rue. <laughs> on, on les reconnaît. On reconnaît les gens qui sont sur la chat Tout ça pour dire. Voilà. C'était un peu ça l'idée de ce slide. C'était de présenter un peu... Alors, ce qu'on peut faire avec Unity euh, et les cases de réalité virtuelle de, qui étaient disponibles à l'époque. Et, euh, et, et donc voilà, simplement. Je que le code soit avec vous. Passez à bon moment. Et à la prochaine. Ciao, ciao.